YouTube. Bien. Bon, beaucoup de choses à dire là récemment. Il faut que je fasse un résumé parce que j'ai pas sorti de vidéo pendant quelques jours. Normalement, vous devriez avoir une vidéo avant celle-là, évidemment, en cours. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Même si je me plains tout le temps, tous les ans, je suis catégorisé comme un qui me plaint. Mais encore une fois, les gens, ils se réveillent quand ça va pas dans leur sens, malheureusement. Mais le jeu, il est cassé en deux. Il est cassé en deux, il y a rien qui va, mec. Faut que je refasse une vidéo, je crois, où fut est malade. J'en ai fait une sur FIFA 19, fut est malade. Et je crois qu'il faut sortir l'épisode 2. Bref, mon deuxième toti, les gars, évidemment, c'est Messi. Ouais, les gars, moi, je vais pas me cacher de je sais pas qui. J'ai eu la chance de paquer Messi. Messi, je l'ai eu dans le 86x3 qui est sorti hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans mon lit, j'étais cassé en deux. Ok, j'avais hyper mal au ventre. Et je vois dans mon Discord, qu'est-ce qui se passe? Je fais, oh là là, Sam, tout le monde pack Messi et tout, c'est quoi cette dinguerie? Je vais voir sur Twitter, oh là là, il y a Messi et tout, c'est bug, je sais pas quoi. Je dis quoi au Discord? Je dis, écoutez les gars, d'habitude j'ouvre rarement des packs hors stream, en tout cas des packs un peu claqués au sol, comme des 82x3 et tout, et comme des 83x3, bon. Bizarrement, la dernière fois que j'ai ouvert un 83x3 hors stream, j'ai eu CR7 Winter, bizarre. Là, du coup, écoutez les gars, je vais quand même l'ouvrir, à ce qui paraît, Messi les bugs. Ok? Je l'ouvre et je pack Messi. D'un côté, c'est lourd, mais d'un côté, c'est pas lourd. Parce que qui dit bug, dit ça veut dire que eSport, ils ont encore merdé. Qui dit que eSport, qui merde encore. Ça veut dire une communauté qui va chouiner sur ça. Mais qui dit aussi une communauté qui va pas chouiner que sur ça. Qui va chouiner aussi sur les personnes qui ont eu justement Messi. Et là, il y a encore d'autres personnes qui vont encore chouiner, qui vont dire oui, mais tu dis ça parce que t'as packé Messi. Mais non, bande de trous de balles. Tu peux me donner Messi, tu peux me donner toutes les totis du jeu si tu veux. Je vais quand même te dire que eSport, ok, ils gèrent mal leur jeu. Moi, tu m'achèteras pas avec des totis. Donc oui, j'ai la chance d'avoir Messi totis. Oui, je vais jouer avec. Parce que c'est pas de ma faute. Mais d'un côté, oui, les gens, ils ont le droit de pleurer. Oui, les gens, ils ont le droit de se plaindre. Mais faut attaquer les bonnes personnes. Les personnes qui sont responsables. Et le seul responsable dans l'histoire, c'est eSport. Et personne fait rien. Personne dit, voilà, j'arrête d'acheter des packs de la boutique. eSport nous prennent pour des cons. Mais non, personne ne va s'arrêter. Donc les bugs, il y en aura toujours. Et voilà. Je vous le dis, ça changera pas. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, ton Messi et tout, tu vas pas là. Les gars, ils vont rien faire. eSport, ils vont rien faire. Ils vont rien faire, eSport. Ils vont strictement rien faire. Ils font jamais rien sur les bugs, les gars. Mais ils vont rien faire, malheureusement. Ils vont strictement rien faire. Et je le répète tout le temps. Tout le temps, je le répète, on me dit à chaque fois, Sam, t'es juste un chouineur et tout, t'es juste aigri. Non, je suis réaliste. Ils vont rien faire. Après, moi, j'ai pas aimé aussi les personnes qui parlent d'équilibre, de désavantage. Mais frérot, le jeu, il est désavantagé de base. Nous, en tant que streamer, on reçoit le jeu une semaine en avance. Une semaine en avance. Vous vous rendez compte, c'est combien de jours? Une semaine, c'est 7 jours. Y a pas d'avantage. Le jeu, il est désavantagé de base. Et dès le premier fut champion, t'affrontes Neymar et tout. Toi, tu galères avec des mecs à 80 général. Et qu'est-ce que tu veux nous parler de désavantage ou déséquilibre? Y a pas de désavantage ou déséquilibre. Le jeu, il est inégal de base. Ah, mais de toute façon, les gars, ça change rien que... Les gars, je répète ce que je dis sur Twitter. Que tu fasses 9, 8, 18, 20... Ça change rien du tout. En fait, c'est pas parce que tu fais rang 1 que t'auras plus de chance qu'un mec qui fait rang 4. T'as juste plus de crédit en faisant rang 1, les gars. T'as pas un meilleur taux de drop. Les packs à 125k du rang 1, c'est exactement les mêmes que le pack à 125 000 crédits du rang 4. Et ça, on le répète tous les ans. eSport, ils ont modifié. C'est pour ça que je dis à chaque fois que moi, je préfère l'ancien SEM de FUT Champion. Ah, tant mieux, c'est mérité parce qu'ils sont forts au jeu, ils maîtrisent les mécaniques et tout ça. Ils font rang 1 systématiquement. Avant, t'avais des trucs icônes, T'avais 11 cartes rouges ou je sais pas quoi. Maintenant, t'as plus rien, gros. Mais les gens, ils se plaignent pas, il faut rien, ils vont quand même mettre 1 000 € dans le jeu. Bah écoute, tu crois quoi? Les gars, il faut réfléchir 2 minutes. Dans une semaine, tout le monde aura oublié l'affaire Messi, tout le monde va ouvrir les packs dans la boutique, va créer leur contenu. On va rechouiner sur FUT Champion, on va rechouiner en Rivals, etc. Et c'est reparti, quoi. C'est un cycle infini. Au final, tout ce que je vais réussir à faire, c'est me faire passer pour un chouineur, un mec aigri. C'est tout. Et ça me dérange pas parce que, au moins, j'ai mon propre avis. Et je dis ce que je pense. Attends, si ça me fait passer pour un chouineur ou je sais pas quoi. Tranquille, hein. Je ne changerai pas mon avis sur le gameplay, sur les serveurs qui sont catastrophiques, sur les animations des joueurs qui sont catastrophiques, sur les packs avec un faux taux de drop. On a vu la preuve avec Messi. Ils peuvent changer le taux de drop comme ils veulent. Les packs de la boutique, c'est catastrophique. Le prix des totis, c'est catastrophique. Il y a trop de trucs qui sont catastrophiques, en fait. Donc, si ça me fait passer pour un chouineur, tant pis, hein. Donc, c'est parti. Avec des très beaux playstyle plus aussi. Après, de toute façon, si c'est pas des... S'il n'y a aucun playstyle plus, c'est des gardiens. Donc, let's go. C'est parti. PP icône.
Oh, il y a Ronaldinho. La tête de WAM, c'est un trickster. Il y a un trickster. Il y a en 88 plus, c'est Robin Van Persie, Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Puskas et Zizou. Je vais aller sur le gardien en premier. Après, le gardien, c'est un de base. Yashin, je dirais. Oh, c'est Yashin, c'est propre de fou. C'est très très propre, Yashin. Je pense que Zidane a un peu plus de force. Il a un peu plus de défense. Ok, c'est pas Puskas, c'est... Je pense pas que ce soit Zizou, Bergkamp. Et le dernier, du coup, le dernier, c'est technicien plus. Évidemment, si c'est pas Ronaldinho, je prendrai Yashin. J'aurai pas le chat, parce que je pense que vous savez tous quel physique il a, Ronaldinho. Donc, c'est parti. Physique. Allez, Rony. Oh non, c'est pas Ronaldinho, ça. Non, c'est pas Ronaldinho, ça. Ok, bon, dommage. Ça doit être Laudrep, non? Monsieur Laudrep. Ok, bah on va prendre Yashin. Full de base, mais au moins, je vais prendre Yashin. Oh, la passe de fou de Messi. Ouais, c'est largement mieux, les gars. 4-4-2, c'est largement mieux. Non, non, ils ont pas fait exprès, non. Ils sont juste, ils ont juste oublié que le taux drop de la MLS, il y a que Messi en animation. Donc, si tu chopais un mec de MLS dans ton player pick, c'était Messi 100%. Pour Hansen, les gars, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Pour moi, si tu packs Hansen, c'est la Totti, c'est pas la Inform. Et Yashin. Et le deuxième fake Dragba qui passe. Paf, paf. Et il a pas tiré direct, bien joué. Ah oui, Barry. Barry, t'étais mal les GT et tout, tu vas kiffer Best. C'est un grind à faire, hein, tu connais, mais en vrai, je pense que tu vas grave aimer Best. Et en fait, il remplit les positions qui nous manquent tout le temps à D, à G. Après, en soi, là, à cause des fodders qui ont up de fou, en vrai, le best, fallait le faire genre dès le début, quoi. Les fodders sont tellement augmentés que... Maintenant, je crois qu'il est à 2 millions 2, un truc comme ça. Alors que avant la montée des fodders, Z86 et tout, il était à 1 million 8. Là, il a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Merci beaucoup. Les gens qui me connaissent, ils voient ce genre d'équipe. C'est vraiment Hamso, là. D'habitude, je me tape des Bobby Moore, des Harry Kane et tout. Et je kiffe, tu vois, ça me fait plaisir. Et là, ils voient des Messi, Totti et tout. Ils disent, oh là là, t'es sûr, c'est ton compte. Oh, la spéciale, je suis obligé, hein. Ronaldo Shop enroulé. Bim. Comme avec Robin sur FIFA 21. Robin flashback, les gars. 5 GT, 4 MP. Et ça, c'est juste à cause d'une passe, hein. La passe de Messi, elle est trop parfaite, en fait. Bon. Comment on est en D1, on a fait les 7 victoires, on est mercredi. Pour ceux qui veulent la tactique, j'ai joué en 4-4-2. Construction lente avec passe directe. 45, 65, 65. 4, 2, 1. Mbappé en débordé dans le dos et resté devant. Position axale dans le dos et resté devant pour CR7. Messi resté au large dans la surface. Le MJ resté au large dans la surface. Zizou, couvert centre.
Bruno, restez avec couvre centre. Trent, débordement. Grimaldo, débordement. Nous, nous attrapons demain. Donc passez une très bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao, le mec. I just wanna dance. My heart goes